Je travaille en partenariat avec les associations de la région. Je fais du partenariat avec le CIEP. Donc, eux viennent pendant toute l'année, tous les lundis matins, de 8h30 à 11h30. Et là, donc, on apprend à rédiger un CV. Mais pour rédiger un CV, il faut connaître Word. Avec le service de prévention, donc il y a des maisons de quartier qui viennent parfois aussi, j'ai peut-être oublié de le dire, mais qui viennent aussi pour apprendre à aller sur Internet. J'ai aussi des groupes d'enfants de maisons de quartier où, pour lesquels j'ai proposé aussi des activités. Donc ils sont venus ici à l'EPN pour suivre les activités que je proposais. Et le centre-ville, oui, c'est avantageux. Si, si, c'est avantageux. C'est au centre de tout, quoi. Donc on est souvent démarché par des ASBL, par des organismes d'insertion socio-professionnelle, des centres régionaux, voilà, ça dépend un petit peu des demandes. Souvent on demande, on propose, on répond aux demandes. Donc par exemple, je pense à la maison de jeunes qui m'a déjà contacté ou à qui j'ai déjà proposé certaines choses. Je pense au conseil consultatif des aînés, par exemple, qui est venu en visite ici. Ben, de cela a découlé les formations que l'on voit notamment aujourd'hui. J'essaye, c'est-à-dire que bon, il y a aussi bien avec le service jeunesse, le service de l'accueil du temps libre, que ce soit les 3x20, que ce soit comme je veux dire maintenant avec le stage ici, sport, fun et culture. Et je veux dire, plus on est, ben, plus c'est facile. On a des partenariats, on a une autre formation qui vise plutôt les demandeurs d'emploi, donc en collaboration avec le Forum, c'est la formation emploi attitude, donc il y a du job coaching. Sinon, des partenariats donc avec la Maison des Aînés, donc qui est un autre service communal. Et il est vrai que là, on a une demande pour former la commune de Rochefort à Open Office, donc au traitement texte libre, Open Office. J'ai des partenariats avec le CPAS, j'ai un partenariat avec le Forum aussi, avec Infor Jeunes, et alors avec une amicale de pensionnés, l'amicale Jules Massonnet. Ça, c'est toutes des personnes pensionnées d'Arlon et qui viennent suivre des formations de base ici. On travaille donc assez souvent en commun avec les trois autres EPN de la Haute-Lys. Donc Télin, forcément, parce que je suis aussi animateur là-bas, mais Wellin et Libin. On organise régulièrement des activités en commun. On organise aussi des stages en collaboration avec elle, donc des stages pour enfants, où elle est là la moitié de la journée et un autre animateur est là l'autre moitié pour proposer une autre activité. Et elle collabore aussi avec le complexe sportif Le Pachy, moitié informatique, moitié sport, par exemple. Il y a une interaction aussi avec le CPAS et avec l'Asinerie de l'eau, notamment, qui viennent ici faire des stages et initier des personnes dans le besoin ou dans la précarité à l'utilisation de l'outil informatique également, quoi. Il y a pas mal d'interactions entre les associations. Récemment, il y a quand même le service des contributions de Château qui est venu utiliser l'espace public numérique pour aider justement les personnes à utiliser Taxon Web. Mais je veux dire, c'est plus rare parce que les services communaux ont leur propre réseau informatique. L'année passée, j'ai aussi accueilli un groupe de sourds et malentendants. Il y a eu une collaboration avec l'EPN Destine et on a communiqué comme ça avec les enfants de l'EPN Destine et les enfants de sourds et malentendants de Blain. On essaye depuis un ou deux ans de développer justement ces liens avec le social. Et donc par exemple, je fais une permanence au service social avec un ordinateur portable et une connexion avec la connexion du service social pour les personnes qui sont plus en difficulté et qui viennent chercher un colis alimentaire.